Oui, il pue mon t-shirt, je sais. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Et si vous vous demandez par hasard que ça vous plaît, genre ce make-up, soit il est déjà arrivé et je vous le mets ici, soit il arrive bientôt et abonne-toi. Il y a un petit rond ici, tu peux t'abonner. Ou un petit carré ici, tu peux t'abonner. Ça arrive bientôt. Mais ne t'en fais pas, j'ai filmé. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je pense que je l'ai déjà dit. Et j'ai mis ce t-shirt pour l'occasion, mais vous ne le voyez pas. Mais ça fait partie du haul parce que on va parler de la collection Disney de Colourpop. Et je viens d'enlever l'étiquette du truc, je ne l'ai pas encore lavé. Juste pour le temps de la vidéo, je peux vous dire qu'il pue. Mon t-shirt, il doit être prêt pour le lavage. Et il manque des princesses, déjà. Donc, mais quand même, j'ai acheté chez Walmart, il coûtait 16,99$. Et j'ai trouvé trop beau avec le petit X ici. Je trouvais que c'était sympa. Et pas cher, voilà. Colourpop et Disneyland. Premièrement, j'ai pris quelque chose qui n'était pas de la collection de Disney. J'ai pris ce Lust of Dust. Parce que son nom, c'est Kiki. K-E-K-E, mais ça sonne kéké chez nous. Vous savez, comme kéké des plages, et j'aime bien. J'aime bien, j'ai trouvé ça marrant. C'est un joli pêche, et il y en a pour toute la vie dedans. C'est pour mettre comme highlighter. C'est trop joli. C'est sorti comme ça, en scred. Ils ont dit, tiens, on a un nouveau Lust of Dust. Voilà, on va le mettre là. Il n'y a pas eu de lancement, ni rien. Il est arrivé comme ça, ni vu, ni connu. Ensuite, de la collection Disney, j'ai pas tout pris. J'ai pris quelques rouges à lèvres. Je pense que je vais garder les boîtes et les mettre dans un cadre. Elles sont trop belles. J'adore les Disney. J'adore Disney, premièrement. Et j'adore les Disney designers. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire en regardant les swatchs sur la chaîne de Colourpop, c'est que l'idée derrière tout ça, c'était de dessiner les princesses Disney avec leur outfit de première de film à l'époque où c'est sorti. Donc il y a un effet un peu glamour sur les princesses qu'on connaît déjà, qui ont des vêtements d'époque pour un gala. C'était ça le thème. Ils sont allés loin pour chercher ça. Donc les luxe lipsticks se présentent comme ceci. Alors au lieu d'avoir les petites étoiles, il y a les petites signatures des princesses que je n'apprécie pas du tout. Je n'aime pas qu'il y ait des signatures des princesses, on s'en fout en fait des signatures des princesses, c'est des dessins animés. Mais les couleurs sont très jolies, j'en ai pris quelques-unes, donc celle-ci c'est Ariel. Si vous voulez voir quelque chose en particulier dans une prochaine vidéo, mettez-le en barre de commentaires, je prendrai les plus populaires. Ou si vous voyez quelque chose qui vous plaît chez quelqu'un d'autre, une suggestion, mettez un like et ça va être le premier. Les plus populaires vont arriver au-dessus. Donc si ça vous tente pas d'écrire ou quoi. J'ai pris Jasmine, celle qui manque de mon t-shirt. Mais il y a Aurore, je crois. Il y a la Belle, il y a la fille à garde ses nichons. Il y en a que 4. Ah non, il y a Aurore qui... Il en manque plein en fait. Mais quelle est votre princesse Disney préférée? J'aimerais bien savoir. Moi c'est Ariel. Et princesse Leia. Parce qu'on peut dire ça maintenant que c'est une princesse Disney. Donc j'ai pris Jasmine. Je pense que c'était une des moins populaires avec Cendrillon. Cendrillon je ne l'ai pas pris parce que c'était pas très beau. Mais c'est une espèce de rouge, rose fluo, orangé un petit peu. Qui est magnifique. Ça Souminou, ça va? Viens. Ah, tu veux venir sur moi? Ce rêve bleu. Oui, il pue mon t-shirt, tu le sais. Ensuite, il y a Tiana, qui ne fait pas partie de mon t-shirt. Il y a Tiana, qui est super belle, j'adore, c'est une espèce de rouge très foncé, super jolie. Belle, je pense que c'était la plus populaire de toutes, elle est partie vite, Belle.
Mais c'est un des plus jolis qu'ils avaient. Je sais qu'il va y avoir un restock bientôt. Quand, je ne sais pas. Mais c'est une espèce de mauve, rose, super joli, neutre, super beau. Ouais, genre un classique. Magnifique. Et de la collection, j'ai pris 3 glosses. Il y avait 3 glosses. Il faut que je vous explique quelque chose. Je voulais en prendre que 2. Sauf que le nom, c'est Bobidi Bibidi Bou. Si j'en manquais un, j'avais pas la formule magique. Donc, j'ai pris Bobidi Bidi Bobidi Bob. J'y arriverai jamais. Bobidi Bibidi Bib Bou. J'ai essayé avec Mathieu à plusieurs reprises. C'est un échec total. Donc, Bou, c'est un des plus beaux. C'est un gloss plutôt rosé. Ensuite, il y a... Je pense que c'est Bobidi que je voulais pas absolument, mais j'ai pris quand même. Non, c'est Bibidi, qui est un clear gloss avec un petit peu de reflet doré et argenté à l'intérieur. C'est beau, mais ça n'est pas genre exceptionnellement unique. Et ensuite, il y avait celui-ci qui était mon préféré, je pense. Est-ce que c'est lui ou c'est l'autre? Non, attends, donc, je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Qui est Bobidi. Alors, c'est quoi la formule de la... Mon Dieu, mes cheveux, ça... Bobidi Bibidi Bou. C'est ça? Bobidi Bibidi Bou. Il n'y arriverai jamais. C'est tout. Ensuite, j'ai pris tous les Super Shock Shadow. Et je pense que c'est les seuls produits qui restent de cette collection sur le site qui n'ont pas été vendus. Ça et la palette, parce que franchement, elle ne m'intéressait vraiment pas, la palette. J'ai essayé de voir plusieurs reviews, à savoir essayer quelque chose qui va me faire craquer ou pas. Pas assez pour payer le prix de cette palette, qui n'est pas énormissime non plus, mais... Il n'y avait rien qui faisait battre mon cœur dedans, donc ça ne sert à rien. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que c'est les titres des chansons de Disney que j'adore particulièrement, que Mathieu déteste pour mourir. Est-ce que vous avez une chanson de Disney préférée? Et c'est laquelle? Celle-ci est dans ma playlist, c'est Almost There. Et regardez comment c'est trop mignon, il y a le petit château en haut. Le petit château sur le packaging. Attendez. Ouais, et c'est comme ça, c'est super joli. Lui, c'est vraiment un de ceux que je voulais absolument. Que je les voulais tous absolument, mais... Celui-là, c'est celui de la petite sirène, of course. J'ai aussi celui-ci qui s'appelle Be Our Guest, Be Our Guest. C'est le moins intéressant en termes de... En tout cas... Sur le pan, c'est le moins intéressant des 6. C'est un satin un peu rose-violet, mignon, mais pas obligatoire. Ainsi que celui-ci qui s'appelle Hey ho, hey ho, nanana, nanana, furututu, furututu, hey ho, hey ho. Est-ce que vous aimez mes versions des chansons? J'espère que vous êtes contents, que vous êtes là pour ça. Bon, lui, il est un peu pété. C'est pas grave, on va le réparer. Live. Oh, il est pété puis il a rétréci. Why? Regarde. Why is it is? Mais si tu l'appuies bien, il revient. C'est un ultra glitter. Un petit peu avec des reflets rose mauve pailleté. J'adore les ultra glitter. C'est mon préféré. Celui-ci, c'est un de ceux que j'adore, c'est A Whole New World. Moi, j'ai appris les chansons de Disney récemment en anglais. Avant ça, en France, on n'avait que les versions en français, donc je ne les connaissais pas. Le surrêve bleu n'existe pas ici. Peut-être dans la version française, mais bon. Qui est un des plus jolis violets lavande à paillettes ever. So this is love. Je sais pas, je connais pas cette chanson. Putain, vient de quel film alors? Je ferai une recherche. La couleur est vraiment très 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 sympa. C'est un marron lavande, mauve. Et c'est un ultra métallique.
Ariel. Et c'est Under the Sea. Under the Sea. Nan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 
Ça sent bon, ça sent Noël, quoi. Regarde, la voiture, elle est prête à faire le sapin de Noël. Donc. Je vous laisse avec d'autres haul et haul updates juste ici. Ma face ici pour t'abonner si t'es rendu là. Tiens, pourquoi pas. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi voulez vous devenir marraine ou parrain de cette chaîne, cliquez ici sur petit carré qui va vous envoyer sur Patreon. On se retrouve tous les lundis, dimanches, mercredis et vendredis à minuit 6h. Je sais pas. Minuit à Montréal, 6h du matin chez vous, en Europe, ou 8 ou 9h à la Réunion, je sais pas. On se retrouve de toute façon, je ne manque pas de publication, à moins d'être sur un lit de mort ou accidenté, ou ce qu'on souhaite pas. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir en premier, et je vous retrouve très bientôt. Bye!